Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Binding of Isaac. On fait une petite partie avec Isaac. Allez. Bon, le boss, on va le faire tout de suite. Ah, je me fais avoir direct. Oh, bien. On va déjà voir ce qu'il y a là. Hein. Alors, la Nush Minecraft. Pas top, hein. Donc, Duke of Lives, version verte. Il lâche des mouches doubles, lui, je crois. Voilà. Il suffit de demander. Oula, le jeu rame. Ah, meurs. Ah, j'ai pas de puissance. Allez. Voilà. Ah. Non, bon, allez, si un petit speed up, donc on continue. Salle dorée trouvée. Ah, alors la relique, bon. Yes, ah. La technologie, c'est bien, mais. Oui, là c'est pas. Faut augmenter les dégâts, quoi. C'est là que ça fait un bon combo. Comme dans ma partie 5. Sinon, ça le mérite au moins d'avoir une portée max. Plutonie, donne-moi un petit HP up, s'il te plaît. Ah non, pas de chance. Alors maintenant, le problème c'est que la salle secrète peut être à beaucoup d'endroits. J'ai envie de la tenter là en fait. Et bah perdu. Bon, on va péter ça quand même. Hein. Et on va aller au deuxième étage. Ah, une petite pièce. Bon, donc là pas d'HP up, hein, j'ai vu speed up. Donc faudra que le boss suivant me donne HP up. Une arène ensanglantée et le shop, d'accord. Donc je vais essayer de me mettre à un cœur, hein, vu que dans ces arènes là il y a souvent HP up. Et qu'au pire j'ai le dé. Ah! Pour changer cela. Allez, touche-moi encore une fois. Toi, touche-moi. Voilà. Maintenant, tu me touches plus, s'il te plaît. Alors, un demi-cœur là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arène? HP up. Donc, on ne dit pas non. En plus, ça rechargera le dé. C'est déjà ça. Enfin, faudrait que j'ai une clé pour la salle dorée quand même. Alors, technologie. Donc, c'est un item sur lequel on peut. Avoir pas mal de combos en fait, contrairement à technologie V2. Donc si j'ai Polyphemus ou beaucoup de damage up, ça va faire un laser vraiment énorme. Donc bah, c'est le combo que j'avais eu dans la partie 5, avec en plus Common Cold qui rendait les tirs empoisonnés. On peut avoir aussi le tir en serpentin, je crois, avec le serpent là. D'habitude ça sert à rien les tirs en serpentin, mais là avec le laser ça peut être marrant, surtout si après vous avez beaucoup de puissance, ça fait vraiment un tir qui prend toute la salle, quoi. Donc ça peut être sympa. Alors, on verra ce qu'on aura. On a le dé pour changer si ça fait pas un bon combo. Allez, meurs mon petit.
Ah non, j'allais dire une clé, mais non, une pièce. Bon, j'ai pas de bombe, donc je pourrais pas prendre le petit coffre est là. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai eu HP un peu dans l'arène, donc bon, ça c'est cool. Parce que c'est pas forcé qu'il y en ait. Ah! Mais c'est pas possible, je joue vraiment trop mal là. Je vais quand même pas mourir. Alors, bon, je peux pas aller tout de suite vu que j'ai pas de clé. Allez, donne-moi une clé, quoi. Ah. Bon, le boss, un bloc bleu. Donc, bon. On va essayer de le péter. Ah, j'ai pas de bombe là, mais avec eux, voilà, impeccable. Et une pilule. Ouf. Alors, la pilule, elle fait quoi? Ball of Steel, donc c'est cool. Deux petits Soul Heart en plus. On va aller à la salle de Ray. Alors ça fait Tears Up, pas besoin. Guardian Angel, bon. On va essayer de changer ça quand même. Bon là avec le speed up il me rattrape pas, c'est normal. Une petite bombe, donc au pire il y a le coffre que je peux avoir. Faudrait que ce soit pas une salle comme ça dans la salle de gauche, parce que sinon je pourrais pas recharger le dé. Et ça va, ça mini boss, donc ça fait déjà le deuxième. Raph, un coffre, c'est cool, mais j'ai pas la golden key là ce coup-ci, dommage. Donc on aurait déjà eu Gluttony et Raph, hein. Deux péchés capitaux. Donc ils sont pas les plus durs, hein. Les plus chiants c'est ah. Les plus chiants c'est Envy carrément, je trouve. Et qu'est-ce qui est chiant encore? Après c'est les super genre super Envy, super Wrath. Mais sinon les autres ça va, je trouve, dans l'ensemble. Ah, il me donne Mr. Boom. Donc Est-ce qu'il y a une salle secrète ici? Non. Bon. Je vais laisser ça. Au pire, je vais prendre Guardian Angel. Et je changerai Mr. Boom. Ah, excellent. Donc lui, c'est Steven ou Little Steve. Dans tous les cas, moi, ça me va. Même si, bon, d'habitude, je préfère Little Steve parce que... Bah, je l'aime bien comme familier. Mais là, j'aimerais bien Steven parce que ça me ferait des match-up. Et avec le laser, ça ferait tout de suite un bon combo. Bon, si on a un damage up à the chest, c'est mieux que rien, mais c'est pas le top, hein. Allez. Là, tu vas plus tarder à exploser. Allez, explose. Bon, ça va être le petit avant, alors. Pour une fois, c'est le petit avant. Et Steven, donc damage up. Donc là le laser est un peu plus fort, on dirait. On prend, hein, fait pas le difficile. Je vais voir s'il y a... Est-ce qu'il y a une salle... Soit je prends le coffre, ouais je vais prendre le coffre, on sait jamais s'il y a une clé dedans. Plutôt que tenter la salle secrète. C'est cool, une clé, j'ai pas assez de d'argent pour aller au shop, donc on sert à rien. Donc je vais prendre Guardian Angel et on va l'échanger Mr. Boom. Puisque bon, je garde le dé, hein, évidemment. On est quand même à Basement 2, ça m'embêterait de le lâcher maintenant. Ah, ou je peux ouvrir le coffre là. Allez, c'est chose faite. Au moins j'ai des bombes comme ça. Un soulevert au passage. On change ça. Et on a Abel, donc bon, pas top, mais on prend, hein, autant le... il est là, autant le prendre. Hein. Donc un family en plus. Et on va essayer de trouver la salle secrète maintenant. Non. Est-ce qu'elle est pas dans l'arène? Ça m'arrangerait, comme ça je pourrais aller au shop. Non plus, mais alors elle est où? Je
vois pas trop là. Est-ce qu'elle pourrait être là? Non, hein, j'ai déjà tenté. Là, je vois pas là. Peut-être ici, il y a les dernières bombes. Bon, bah, c'était la bonne, c'est cool. Yes! Je prends. J'ai bien fait de la chercher, donc transcendance, je vole. Donc c'est cool. Et on est parti pour cave 1. Avec Curse of the Labyrinth, donc cave XL, donc il me faut des clés vite. Très vite. Et trouver les salles dorées très vite aussi. Hein. Comme ça, je perds pas de temps. Je fais vite les switches de dés. Non, pourquoi j'ai pris ce cœur éternel? Je l'ai vu au dernier moment. Bon, c'est pas très grave, faut le garder. Là pour l'instant il est, on va dire, assez bien protégé. Il y a quand même des soul hearts, hein. Il est pas tout nu si je puis dire. Je fais quand même assez mal avec Steven là. On sent quand même le damage up, même si c'est loin d'être encore parfait. Par contre là il y aura qu'un seul shop si j'y vais. Donc ça si Hagrid, ça fait chier quoi, on peut rien faire. Hein. Voilà, alors le dé rechargé, maintenant faut que je trouve une salle très rapidement, une salle dorée. Alors deuxième clé, c'est cool. Ah non, je prends des coups là, c'est bête. Faut que je garde mes soul hurt. Une pièce, bon ça fait ma 15ème, donc encore une petite clé et on ira au shop dans tous les cas, même si bon. Si Hagrid, ça fait chier hein. Mais bon, c'est le problème de cette malédiction. Alors, oh bah c'est super. L'arène sanglante où je pourrais pas aller. Oh, j'ai envie d'aller là quand même, tant pis, hein, on sacrifie, mais des fois il y a des bons objets. Or pilule. Friendsteelzienne, DL. Bombe arquise. Bon, j'ai du bol, ça change rien. J'ai quand même envie de tenter un truc là, c'est ça. Non! Pourquoi ils me déplacent la bombe? Mais ils le refont deux fois, hein, c'est con. Putain, j'ai gâché deux bombes là, je suis dégoûté. Ah! Parce que j'avais envie de tenter la salle secrète, comme ça j'aurais pu gruger et aller dans l'arène quand même. Bon, y a des bombes, allez, je vais attendre qu'elles crèvent parce que je sens qu'elles vont encore le déplacer. Voilà, hop. Plus qu'une, voilà, va dessus. Une clé, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là? Non! Donc, tant pis. Toujours pas de salle dorée par contre, ça va être chiant parce qu'elles vont être au même endroit, donc là je me balade avec un dé plein, ça m'énerve. Ouh là 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 là. Pourtant j'ai speed up, hein, il devrait pas me rattraper aussi facilement. Ok, bon là mon cœur éternel va être en danger. Allez. Allez, en bas je le sens bien, bon, je le sens pas. Allez. Alors, Rustic Key ou Bird's Foot, je sais pas trop quoi. Je prends la Rustic Key. Plus de chances d'avoir des clés, ça m'arrange. Là, bon, je vais la mettre là. Allez, donne-moi un truc de bien. Une pilule, et ça, c'est Friendsteelzienne. Bon, les boss sont trouvés. Est-ce qu'on fait les boss? Ah ah, on les fait tout de suite ou pas? Ouais, on sait jamais. Allez, donc pipe, ça devrait aller, on se peut se mettre à distance avec la technologie, c'est ça qui est sympa. Et puis je vole, donc bon, ça pisse, on s'en fout, hein. Il y a juste les yeux qu'il faudrait éviter. Ah, et ces boules aussi. Allez, j'ai pas envie de perdre le cœur éternel, hein. Quand même, ça fait un HP up, mine de rien, c'est loin d'être négligeable. Allez, meurs, 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 meurs. Ouh là là. Ouh, je savais que je me ferais toucher. Bon, tant pis. Bon. Bon, je vais faire quand même le boss hein, aussi. Là, je risque de me faire toucher. Bon, je pourrais pas changer ce qui va me dropper. Donc, ce sera forcément
Little Chub, mais bon, si un pote avec le diable, je le sens bien là, je le sens bien. Ou même une salle de l'ange, on peut quand même changer d'objet. Alors, impact avec le diable. Donc, c'est cool. Alors, Forget Me Now, non, clairement non. Ah, et ça c'est pour voler, mais ça sert à rien, j'ai déjà eu transcendance. Bon, pour l'instant il se ferme pas, c'est cool. Peut-être qu'on pourra rechanger après. Bon, donc on va quand même se faire le reste, hein, vu qu'on a toujours pas les salles dorées. Ah, bon, là une, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quadra shot, ça sert à rien. Normalement, c'est un bon item, hein, ça vous fait tirer 4 pleurs, mais bon. Avec la technologie, ça ne sert à rien. Donc, on va le laisser là. Salle. Et voilà. Donc là, on perd un peu de temps, mais bon. C'est le jeu, hein. Donc là, on a toujours pas trouvé le shop. Ni la deuxième salle dorée. Hein. Allez, donne-moi un bon truc. Qu'est-ce que je pourrais bien aimer là? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Common Call, ça me ferait plaisir. Ah, ça non. Kamikaze, non, non. Bon. En tout cas, c'est cool. Je peux ouvrir le marchand. Je pourrais ouvrir la salle dorée. Parce que, bon, c'est des fois, on n'a pas assez de clés. Donc, on perd un bonus. Hein, vu qu'on peut pas, on n'a pas le matériel pour le chercher. C'est assez dommage. Alors, encore une petite salle de merde. Parce que là j'ai plus le droit de prendre un seul coup, hein, je le rappelle. Sinon je perds mon cœur éternel et ça m'embêterait beaucoup. Alors eux, oh là là, eux, tout sauf eux quoi, sérieux, oh là là. Et c'est dingue, hein, j'arrive même pas à les toucher quoi, j'arrive à tirer juste à côté d'eux. C'est cool, alors. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Polyphémus. Et allez, c'est parti, ça va faire mal, ça va faire mal, regardez ce laser. Donc là, c'est le combo cheaté de la partie 5 que je viens de refaire. Polyphémus, technologie laser, il manquerait plus que Common Call pour empoisonner. Donc là, les dégâts sont à fond, fréquence de tir, on s'en fout vu que c'est fréquent, on tire à volonté. Et la portée à fond, donc là c'est excellent. Ce qui pourrait être drôle maintenant, c'est d'avoir le serpent là pour faire des tirs un peu... Pas tout droit comme je fais là, mais bon. Allez. Voilà. Mince. Bon, le DRT rechargé, mais ça change rien au niveau des salles qui restaient à faire, ça aurait rien changé. J'aurais pas pu le recharger une autre fois, donc bon. C'est pas grave. Allez. Meurs, meurs, meurs. Alors, grid ou pas grid? Pas grid, donc c'est cool. La vie de la nonne. Donc on prend. Alors, est-ce qu'il y a une salle secrète là? Non. Au pire, il y a un Soul Earth et une bombe chez le marchand. Alors, on va tenter la salle secrète. Hein. J'ai quelques bombes, autant les utiliser à ça. Non. Yes. Voilà. Bon, je vais retourner sur mes pas. Hein. C'est pas très loin le marchand. Et je vais acheter le Soul Earth.
Et la bombe, on sait jamais, hein. Si après j'ai un bombe Arquise ou je sais pas trop. Donc là c'est cool, un Polyphémus et... Et technologie, c'est cool. Alors qu'est-ce qui pourrait être sympa? Ce qui pourrait être sympa, c'est d'avoir technologie 2 aussi. Donc on aurait deux lasers, un puissant et un moins, vu que Polyphémus, ça ne joue que comme Icon, ça ne joue que sur la technologie 1 et pas la technologie 2. Qu'est-ce qui pourrait être bien aussi? Ou le tyran serpent. En tout cas, pas ça. Pas ça non plus. Bon, là, j'ai eu, on va dire, de la chance quand même, parce que j'ai eu Polyphémus dans une des deux salles secrètes, mais je les ai trouvés à la fin, donc bon, c'est assez dommage quand même. Alors là, tu fais quoi toi? De l'argent. Bon. Voilà. Ah, Satan était... Ah, c'est con, j'avais encore un coup de dé là. Parce que d'habitude il part, bah voilà, comme là. Allez, c'est parti pour Def. Donc là c'est cool, c'est pas un étage XL, hein. On peut prendre plus son temps, c'est mieux. Alors regardez la puissance, on admire. Et voilà. Une clé, allez, vite la salle dorée. Alors un mendiant, c'est cool. Enfin un mendiant bizarre, hein, qui prend... Ah, une bibliothèque, ça peut être bien aussi. Hop. On se casse. Bah, décidément, entre le mendiant et la machine à don de sang, j'aurais de quoi donner de la vie là. Judgment, donc un autre mendiant, donc c'est cool. Là j'ouvre, en plus on a trouvé la salle dorée rapidement. The Poop, ça m'intéresse pas. Ça, ça fait une bombe. C'est nul hein. Ah, si je le fais péter, ah, je vais pas le faire péter là. J'allais dire, je vais l'utiliser comme une bombe, mais. Si je le fais péter, j'ai peur que la machine à don de sang pète également et puis. Ben là c'est pas mon intérêt hein, vu que je vais peut-être avoir un blood bag, on sait pas, on peut rêver hein. On verra. Donc c'est cool, là il y a un bloc bleu mais je vais pas le péter tout de suite vu que le mendiant est à côté. Il risque de mourir, là il y a rien. Continue. En tout cas c'est vachement bien d'avoir trouvé directement la salle dorée comme ça. Je fais des salles et ça recharge le dé. Hein. Toujours bien. Oh, j'arrive à pas le viser encore, c'est extraordinaire. Donc encore une salle. Ah oui, il y a l'habit de la nonne, je suis bête. Je suis bête. L'habit de la nonne recharge le dé, donc en fait... j'ai une petite idée là. En tout cas là le dé est rechargé, j'avais complètement oublié que j'avais acheté ça au shop. Donc là on peut en abuser avec de toute façon chat qui va donner des cœurs et puis il y a la machine à don de sang qui me donnera des pièces et ça rechargera le dé. Monster manuel ça m'intéresse pas, donc là on va le faire une fois, deux fois ça recharge le dé. Book of Revelation non c'est pas top, j'ai pas besoin de protection. C'est pas mal avec le même snipe, comme ça vous collez à l'ennemi. Bon bah ça je prends évidemment maintenant hein. Donc c'est cool, j'ai eu de la chance, HP up. Et The Bean, non. Non, non, non. Là on va aller voir le mendiant qui prend des cœurs. Alors là ça a rechargé mon objet. Donc on va faire des petits allers-retours, hein, excusez-moi, mais bon. On sait jamais, hein, Common Cold peut venir, le mendiant portable, non. Common Cold ou Tyran Serpentin, un des deux me plairait énormément. Ça ferait de bons combos. Sachant que le mendiant peut aussi me donner un objet, donc bon. Entre ça et les retry 2D, bon, même spad, non. Hein. Évidemment que non. Alors, chocolate milk, non, ça marche pas avec ça, je crois. Je sais pas si ça marche. S'il faut, ça fait un putain de combo, mais j'en ai juste aucune idée, monstre tous. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Je sais pas si c'est bien en fait. Bon allez on va faire des salles on va dire normales pour recharger le dé. En plus je vole grâce à transcendance donc c'est vraiment sympa pour les esquives. Hein. Rah, mais je prends quand même des coups vous voyez. Ah bon.
Le dé rechargé. Bon, les salles secrètes, il y a quand même déjà deux possibilités là. Bon, j'ai 5 bombes. Hein. La bibliothèque, j'ai toujours pas allé d'ailleurs. Alors, là, ça fait quoi? Sac of bombes ou pénis, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Par contre, si je fais Judgment, je le ferai peut-être dans la salle où il y a un objet, comme ça, je pourrais changer deux objets à la fois en un coup de dé. Ça peut être sympa aussi. Donc là, boum et boum, boum, boum. Ah, boum. Une bombe. Là, c'est désintégration complète. Ah, c'est vraiment un combo de malade. Hein. Et puis c'est que deux items, je veux dire, c'est pas trop dur à rassembler. Hein. Polyphémus et technologie. Même si, bon, bien sûr, avec le dé, ça rend la chose bien plus simple. Hein. Allez, grid. Ah, bah, c'est cool. Grid. Voilà. Bon, c'était assez évident. Là, il peut encore eu. Puis, bon, bah, là, il m'a permis de recharger le dé. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Donc, là, les machines à sous, on s'en fout. Ah, j'ai bien envie d'utiliser le mangeant ici. Non, le mangeant, pas la bombe. Ah. Voilà, allez. Donne-moi un bon objet. Donne-moi des clés aussi. Hein. Jamais de trop. Ah bah, il n'y a qu'à demander. Allez, donne-moi comme une cold. Donne-moi comme une cold. Alors, même perso, non. Ah, je me tâte à prendre chocolate milk. Hein. Allez, on change les trois, on est des dingues. Et c'est pas top. Bon là, Book of Belial, si on l'utilise, regardez si ça peut encore grossir mon laser. Oh, je sais pas si ça marche. En tout cas, on a trois trucs à prendre là. Ça peut valoir le coup. Hein. J'aurais peut-être dû prendre HP up, mais bon, j'ai quand même pas mal de cœur, je trouve, donc... J'essaie d'augmenter mes chances d'avoir Common Cold ou le petit serpent là. Ah non, j'aurais pas assez de salle pour... Ah le con. Voilà. Je me casse. On va essayer de recharger, de changer les trucs là-bas. Pas là de toute façon, en faire péter sans, c'est jamais s'il y a des cœurs dedans. Yes, c'est cool. Allez, on change tout ça. Alors, ça fait quoi ça? Je sais pas si ça peut marcher en fait. Non, ça fait pas des deux côtés, on serait cheaté. Ouais, donc ça sert à rien en fait. C'est dommage. Ça, tête chercheuse, ça marchera pas avec le laser, c'est sûr. C'est sûr et certain. Allez, donne-moi un coffre, sérieux. Allez, c'est parti. Alors, Pyro, c'est pas mal. Pyro, c'est pas Pyro, lui. C'est Mister Mega. Alors même The Tale of Spiel, ça aurait pu être vachement sympa avec... Ah. Si j'avais pris PHD tout à l'heure, vu que ça aurait donné que des bonnes pilules, hein, donc ça aurait fait un petit combo assez sympa. Donc, on va changer ça. Alors 10 bombes, bon, Book of Sin, on sait jamais. Allez. Ça donne quoi? The Moon. Donc ça me téléporte à la salle secrète, hein, autant le faire. Et on va aller voir ce qu'il y a vite fait. La bibliothèque. Alors, on va utiliser... Ah non. C'est-à-dire on peut utiliser ça, mais non. Le coffre est déjà apparu à la salle à sacrifice. Bon, bon, bon. Chercher le petit cœur en haut, dommage, on n'a pas eu d'amélioration super pour
La technologie laser. C'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû garder ma carte Judgment pour un étage après. Mais bon, là j'en avais 3 dans la même salle, donc c'était... On va pas dire l'idéal, mais quand même. C'était sympa. Ma cœur, je prends. Donc là on va faire cette salle là et le boss. Une bombe. Oh pas lui, il est juste horrible. Ah. Alors faut viser le cœur. Hein. Heureusement que je fais mal quand même. Hein. Bon, est-ce que ça le traverse ou est-ce qu'il faut que je sois devant? Ah. Non c'est bon. Bon. C'était vachement simple. Alors je vais pas changer ça, je vais les prendre, on sait jamais. Tears up. Bombarki, non. Je le garde au cas où. Et ça. Elf up. Bon bah c'est cool hein, ça. C'est bien sympa. Par contre là maintenant faut être J'ai l'habit de la nonne, hein. Le problème c'est que ça peut me faire des rerolls assez fréquents, mais ça me force à me mettre à peu de vie. Et dans ce cas là, ça je prends. Scapulaire, je suis pas fan. Ah mais on va prendre quand même, hein, tant pis. Tant pis, c'est le jeu. J'ai envie de changer ça quand même. Hein. Comment je peux prendre des dégâts là? Il n'y a même pas une porte pour me prendre des dégâts, donc je suis obligé de... C'est chiant ça. Je suis obligé de me prendre un cœur à chaque fois. Putain, c'est con. Allez, c'est tout. Je serai à 2 cœurs et demi. C'est quand même, on va dire, assez dangereux. Hein. Après, il y a quand même Womb. Donc, donne-moi un truc bien. Bon, allez, Homing Bomb, on va prendre. Ça peut servir contre le dernier boss. Donc on va dire c'est pas mal. Là c'est con, je regrette un peu de pas avoir pris Monsieur Mega parce que ça aurait été l'amélioration appropriée, on va dire. Là c'est con, j'ai raté 2 combos quand même. Ah oui, faut que je... Alors là, je suis désolé, on va perdre du temps, mais je vais faire toutes les salles jusqu'à temps que je trouve la nouvelle salle secrète, hein, vu que les lunettes vont me la montrer. Donc là j'ai raté, je disais 2 combos parce qu'il y avait... le PhD et la Mum's Bottle of Pills qui m'auraient donné que des bonnes pilules jusqu'à la fin du jeu. Et il y avait également après là, Homing Bong et Mister Mega qui m'auraient donné... Ah bah j'ai bien fait de chercher un cœur en plus. Donc qui aurait fait des plus grosses bombes, et puis avec Homing Bomb ça aurait été directement sur Isaac ou le boss de The Chest. Donc tant pis pour moi. Donc là c'est cool, hein, j'ai eu... J'ai eu 2 cœurs en plus grâce à la pilule Elf Up et aussi grâce au cœur éternel, donc grâce à l'objet qui me l'a montré, vu que sinon je n'aurais jamais trouvé cette salle. Et là on voit une nouvelle salle à gauche. Ah, un cœur c'est cool. De toute façon il y a Chubb qui va me donner des bons trucs. Alors Lank, bof. On va le laisser là. Ça nous fait renaître en 3 points d'interrogation, mais bon. On peut avoir mieux en fait, hein. On peut avoir les pics fœtus et tout ça. Alors là j'aimerais bien trouver la salle dorée par contre là. Je dois avouer. Puis bon, j'ai pas de clé, mais les bombes là ça va être relativement inutile vu que les salles dorées vont mettre... les salles secrètes vont mettre dictées par le... les lunettes, donc bon, ça fait quoi celle-là? Ouais, on va utiliser la mince. Pourquoi je mets une bombe? Ah, je suis vraiment trop con. Allez, on utilise mon barquise. Et on a quoi? On a 12 diamants, ça double mes pièces. On peut le faire. Alors là, c'est même, on va pas aller là-bas tout de suite, évidemment. Je me tâte à changer l'objet. On peut tomber sur le one-up hein, quand même. Je vais changer l'objet. L'appel, je sais pas ce que ça nous met à l'étage suivant, mais bon, je suis pas fan. Bon, maintenant j'ai des clés, autant utiliser ça. Voilà. Alors là, il y a quoi? Des pilules. Alors, bon, marquise, ça je connais.
Tears Up aussi. Bah, et le coffre d'ouvrir, en tout cas, il y en a pas mal. Oula, allez. Ah, qu'est-ce que je fais là? Alors, Tamis Head. Alors ça, ça pourrait faire pas mal de dégâts. Je tombe toujours dessus, c'est bizarre. À chaque fois, je le change, évidemment. Ouais, pourquoi pas, on va le laisser là. On peut prendre le temps de réfléchir. J'aimerais bien une pilule full elf, comme ça, au pire, je pourrais l'utiliser et faire des retry de dés. Alors, on va changer ça, vu que je suis sûr de pas le prendre. My Little Unicorn, oh, c'est nul. Toujours pas trouvé la salle secrète avec ces conneries. La salle dorée, pardon. Allez, on y va. Bon, là, c'est sans problème. En un coup, je les bute. Ou encore bien viser. Alors, Little Chap. Par contre, j'ai que 3 coeurs, c'est quand même assez chaud. Assez précaire. Mais bon, le vol, on les esquive bien plus simple. Mystic Page, je vais pas le prendre. On va voir le shop. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On prend les deux. Il y a plus de shop après, donc. Puis même d'éventuellement de gens, j'ai largement assez pour leur donner de quoi se rassasier. Alors, je vois où est maintenant. Donc je vois qu'il y a un mini boss et je sais où est la salle dorée, donc j'aurais dû persister dans mon idée d'aller à droite. Donc le petit champignon comprendra peut-être, hein. Le seul intérêt là c'est que ça diminue ma hitbox. Parce que bon, la portée on s'en fout un peu. Et ça fait speed up aussi je crois, mais je suis pas sûr. Allez, on va voir ça. Là il y a quoi? C'est nul. Et là c'est nul aussi, la télécommande. Là il y a quoi? Ouh là 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 là. La salle qui fait plaisir. Donc on va profiter. On va profiter même tout de suite. Hein. Alors un dégât x 3. Et un dégât, un décomplet. Alors on va changer ce qu'il y a dans la salle dorée avant. Au pire ça je le prends, ça me dérange pas. Mais je pensais avoir mieux, donc on va tenter d'avoir mieux. Alors le Dead Bird, oh non, je suis pas fan. Je ne suis pas fan. Donc, c'est pas mal, hein. On a 3 objets à changer, c'est cool. Bon, ils sont pas dans la même pièce, mais on peut pas demander non plus. On peut pas demander l'impossible, et puis en plus là je peux me recharger en cœur grâce à la nouvelle salle secrète. Qui en contient beaucoup. Allez, un bon objet, la mitre, c'est pas mal, on prend la mitre. J'ai encore 2 objets que je peux changer. Alors, un coup. Et un autre. Allez, on va changer, donc d'abord ça en priorité. Hein. Oh, c'est nul. On commence encore. Alors, un dégât. Après, je vais peut-être arrêter parce que bon, on sait jamais. Allez, one up. Voilà. Bon, c'est cool, au moins ça fait une petite sécurité. Alors, le petit champignon que je peux encore changer, mais bon, je peux avoir beaucoup moins bien, c'est un peu ça qui m'embête. Et voilà, on est quasiment full vie. Merci les lunettes, hein. Franchement, c'est un objet que j'aime bien. Plus comme ça on n'a pas utilisé de bombe, hein, c'est déjà tracé pour nous. Mais on va essayer de recharger le dé à l'ancienne en faisant des salles. Alors merci la mitre et merci Little Chad. Ah non. Alors la code conscience. Je peux surfaire 2 autres salles, 3 avec le boss, ça recharge. Bon, je vais changer l'objet. Tant pis. Parce qu'après, il y a même. Il y a le mini boss qu'on voit. Et il y a une autre salle. Donc ça fait 3 salles, ça fait un dé rechargé. C'est nul. Bon, bah tant pis. Hein. Je vais faire péter un cœur, tant pis.
Faut profiter, on n'est pas à Womps, on prend qu'un dégât par un dégât. Un demi-cœur par un demi-cœur, pardon. Donc bon, ça va, hein. Ça fait. Je perds un cœur pour avoir un coup de dé, donc ça va. Surtout que j'en ai 9. Par contre, là, je rame, je sais pas pourquoi. Yes! Donc les tirs en. Regardez maintenant ça. Regardez les tirs que je fais, c'est juste ouf, le serpent. Donc franchement, un combo énorme. Donc là, maintenant. Il me manquerait plus que technologie V2 pour faire un petit laser entre les gros serpents là, entre les gros lasers en serpentin on va dire. Ou alors common call pour qu'il soit vert et donc empoisonné, ça fera plus beau, ça sera mieux. Donc là excellent, hein, Polyphemus, technologie et le serpent, même si bon j'ai bien utilisé du dé là pour l'avoir. Hein, c'est Polyphemus je crois que je l'avais du premier coup dans la salle, mais technologie j'ai dû reroll et là le serpent vous avez vu combien de fois je l'ai utilisé. Donc merci l'habit de la nonne, hein, vu que sans elle, regardez maintenant comment ça fait. Ouais c'est marrant, c'est moi j'aime bien. Donc là on va faire le mini-boss qui est, donc ça fera notre troisième. Hein. Donc Pride, au revoir Pride. Alors, The High Princess. Alors je vais d'abord utiliser Bombarki, parce que je préfère avoir des clés pour les coffres et tout ça. Puis je vous l'ai dit, les bombes ça sert, bon, ça servira pour si... le Isaac ou le Boo Baby, mais bon on fait tellement mal. Par contre il part un peu en stack, il va pas droit je trouve le laser là. Enfin il va pas droit évidemment, mais il va des fois en haut, des fois en bas, je trouve il est pas devant le personnage. Enfin bon, peut-être moi qui divague. Allez c'est parti pour même. Alors voilà. Alors c'est cool, on prend évidemment la Polaroid et on a HP up, donc j'ai pas besoin de le changer. On a pas mal de cœurs. En même temps on a fait aucun pacte avec le diable je crois. Alors Curse of the Lost, c'est parti. Alors comme ça on a déjà trouvé la première salle. C'est l'ancienne salle secrète, je crois reconnaître au son. Alors c'est marrant, c'est que il y a du poison là, donc je sais pas. Pourtant je fais pas de tir empoisonné normalement. Donc on va faire le mini boss. Ouais, on va le faire tout de suite. Et bah ça fera le quatrième, hein, mine de rien. Et on n'a pas eu de super. Voilà, c'est ce que j'espérais en fait. C'est qu'il lâche un objet, comme ça on peut utiliser le dé. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et une petite carte, hein, ça se refuse pas. On en prend une. Strength. Donc ça. Strength, pardon, ça augmente notre force. C'est pas mal. Pour High Princess. High Princess aussi, hein, c'était le pied de même qui fait d'énormes dégâts aux ennemis. On va recharger ça. Il y a pas mal de salles à faire encore. Donc c'est cool, au moins ça fait un objet. Le dé sera pas inutile dans cet étage. L'intérêt d'affronter les mini-boss, c'est que quand même souvent il lâche des objets. Alors des pièces, d'accord. Allez, encore une salle. Bon, un coffre, c'est cool. Les mouches tranquilles. Alors ça, je reconnais, ça doit être Friend Steel the End, non? Un Emble of Steel. Autant pour moi. Donc c'est cool, un niveau vie, on est vraiment au max. Donc on va changer ça vite fait. Alors qu'est-ce qui ferait plaisir? Faut les appeler les objets. Hein. J'ai appelé le serpent, il est venu. Donc là maintenant j'appelle Common Call. Ou Technologie V2, un des deux. Le Mum's Knife, sûrement pas. Donc un objet vraiment bah, pas cheaté parce qu'il faut savoir le manier quand même. Mais il fait très mal aux ennemis. Mais là, bon, il sert à rien. Vu que je suis pas mal puissant, c'est pas ce que je recherche. Je préfère faire des salles et le changer. Le laser one shot les ennemis de base et ah, c'est encore Ball of Steel, ça. Excellent. Donc je disais le laser one shot les ennemis de base et fait très mal, hein. Vous avez au même au boss, même elle a pas fait long feu, hein. Je vais quand même aller à l'arcade rapidement quand il y a un objet, hein. Ça pourrait être sympa de pouvoir le changer. Alors ça c'est que pour les bombes je crois, c'est dommage, c'est pas comme une cold, ça marche que pour les bombes, c'est con. Ça ne peut pas, enfin c'est déjà bien, mais ça peut pas empoisonner mon laser là.
Alors, bon, des cœurs en tout cas, on en a, ça c'est clair. Voilà, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arène? Il y a un objet, donc ça fait, je sais plus ce que ça fait. Ça fait speed plus range, je crois. Je suis même pas sûr. Non, tears up, oh, je sais plus. Enfin bon, on va le changer. On va changer ça, ça c'est clair. Donc c'est cool, j'ai plusieurs salles, j'ai plusieurs choses à changer. Donc on va changer ça, voir si ça vaut le coup. Skeleton Keys, bon j'en ai 7 quand même assez, il m'en faut 4 pour The Chest et il n'y a plus de salle dorée à ouvrir, donc ça sert à rien d'en avoir énormément. Et puis de toute façon, j'en trouve par terre. Ah non, qu'est-ce que je fais là? On dessoule Earth, j'en perdrai en sortant, mais c'est pas grave, au moins ça fait une petite recharge pour le dé. Alors je sais qu'on peut avoir la boussole dans l'arène, mais je l'ai déjà. Est-ce qu'on peut avoir la map? J'en suis pas sûr. Par contre ça je vais le prendre. Ça fait speed et damage up. Donc autant améliorer nos dégâts. Ah ouais, ça fonctionne bien là. Voilà. Au revoir. Par contre ouais, je sais pas, je pensais qu'avec le serpentin c'était vraiment une bonne amélioration parce que bah vous voyez gars, ça touche quasiment toute la salle, mais en fait on. Bah, c'est un peu trop aléatoire par rapport à ce que je vise, je trouve. Mais bon, c'est marrant à voir. Donc c'est cool. Allez, hop. Un Soul Heart en cadeau. On va faire quoi? Continuer en bot, tiens. Donc ça va, j'ai encore un objet à changer. Donc l'intérêt du dé est sauvé. Et sauf, pardon. Tu mets mot. Alors attends, faut pas être con. Voilà. En fait non, je peux le niquer en un coup, je vais pas m'amuser à dépenser une clé pour ça. Ah non, oh c'est fou ça, je me fais toucher, bon, moi je me casse hein. Ou non, ah c'est problème d'homing bomb ça, ce qui vont direct sur les ennemis. Bon là j'ai pris des coups bêtement, c'est con hein, vu que le dé était rechargé je voulais me casser pour économiser une salle, mais bon. C'est pas grave, allez, là maintenant c'est technologie V2 ou Common Cold, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Charm of the Empire, non, 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 pas fan. Ça redonne de la vie, mais bon là j'ai déjà le one-up qui me permet de revivre et puis j'ai pas mal de vie de façon en règle générale, donc bon, je préfère changer. Ça peut se comprendre je pense. Allez, go. Bon, les araignées elles vont rien faire. Juste mourir. Est-ce qu'on fait le boss? On va faire le boss. Alors, un boss facile en plus. Hein, qui déjà est facile. Alors, de toute façon, tous les boss vont être simplifiés par le maximum de dégâts que je fais, c'est évident. Mais là, le boss à la base est déjà facile. Je dis ça, je me prends un dégât. Allez, voilà. Ah. Alors Pigeon Boy, je vais le changer. Et salle de jeu, c'est cool. Alors la Bible, non, j'en veux pas. On peut pas le changer. Ah, c'est con ça. C'est vraiment con. Bon, c'est pas grave. On réfléchit. Est-ce que je remplis mes salles pour changer Pigeon Boy ou est-ce que je remplis mes salles pour changer l'item en haut? Je crois que je vais faire les deux, hein. J'ai suffisamment de Soul Heart pour et de cœurs sur le terrain au pire pour me remettre à... Ça fait combien? 10 cœurs, ouais, largement. Largement assez. Donc, on va faire un truc tout bête, hein, on va perdre du temps, mais c'est pas grave. Je me prends un coup. Bah, c'est con parce qu'à chaque fois je perds un cœur. Hein. Contrairement à avant où je perdais un demi-cœur. Donc on pourra faire ça moins souvent. Mais bon, j'ai vraiment envie d'avoir des bons combos. Hein. J'ai le dé donc autant l'utiliser à fond. Puis j'ai toujours pas. De toute façon, je vais faire toute la carte et j'ai toujours pas trouvé. Allez, Harlequin Baby, c'est pas mal. Hein.
Allez, on va le prendre. Ça fait un familier de plus. J'ai toujours pas trouvé la nouvelle salle secrète. Hein. Je rappelle qu'il peut y avoir des cœurs à l'intérieur ou une trinket ou un cœur éternel. Donc bon, ça fait quand même HP up. Un cœur éternel, faut pas l'oublier. C'est quand même pas si négligeable. Alors, bon. Ah bah, en parlant de nouvelle salle secrète, elle est là. Allez. Meurs, voilà. Little Chad. Ah bah tiens, quand on parle du loup, bon, je reviendrai le chercher en dernier. Même si en fait il est largement protégé par les Soul Heart. Il y a plein de cœurs sur le terrain là, j'aimerais bien une machine à don de sang. Ou une petite arcade, mais bon, rien, c'est la dernière salle. Ah non! Maggie's Fate, ah ça c'est excellent. Ça donne un cœur éternel qu'on doit garder à l'étage. Enfin, à chaque nouvel étage, ça donne un cœur éternel qu'on doit essayer de garder, évidemment. Mais. Parce qu'il y a un mais. Je ne peux pas le prendre parce que. Bah, j'ai pas le Mum's Purse. Donc, je ne peux porter qu'une trinket et c'est évident que je garde la Polaroid. Donc, là, il y a plein de cœurs sur le terrain. C'est vraiment dommage. Hein. J'aurais bien aimé pouvoir utiliser une machine à don de sang ou même un mendiant qui prend les cœurs comme ça a été le cas tout à l'heure. C'est pas très grave, on continue. On va changer ça en espérant avoir HP up quand même. Voilà, c'est ce qui se produit, c'est un classique, donc c'est cool, j'aurai que des cœurs bleus. Que des cœurs rouges, pardon. Une rangée de cœurs rouges et j'ai encore les cœurs bleus derrière, hein, je le rappelle, donc c'est cool. Allez, on va tout faire de toute façon. Hop, hop. J'ai jeté un petit coup d'œil au stat juste après. Notamment ma vitesse qui m'intéresse. Ah bah je suis à fond. Je le rappelle, hein, ces deux-là, on s'en fout. En fait, je suis à fond partout, en gros, hein, vu que la portée et la fréquence de tir, on s'en bat les steaks. Ah, mon Jean, c'est cool, évidemment. Je te donne, donne-moi un objet, comme ça, je le change. Donc, c'est cool, j'ai de la chance, parce que normalement, dans ces étages-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'objet, hein, il n'y a pas de salle dorée, donc... À moins de tomber sur une bibliothèque, le dé ne sert à rien. Et là, en fait, je suis tombé sur deux objets à changer précédemment, grâce à une arcade... À une arène, pardon. Et là, je tombe déjà sur un mendiant, donc excellent. Par contre, il y a, il donne-moi l'objet. Hein. Voilà, réduction Steam, évidemment, je m'en fous. Il n'y a plus de... Ah, il n'y a plus de magasin. Donc bon. Mais au moins, c'est un objet que je peux changer. C'est assez cool. Alors là, il y a quoi? Ah d'accord, c'est l'ancienne salle. On va faire une salle, en fait. Faire cette salle là avec le gros là qui me touche directement, donc bah je me casse, le dé rechargé. Allez, Rainbow Baby, ah, allez on va le prendre, c'est un bon truc hein. C'est pas un combo parfait que ce qu'on a certes, mais c'est un bon. C'est un bon familier. Bon bah. Ah bah tiens, ça a changé. C'est plus un seul gros, c'est deux petits. Ah bon, je savais pas que ça pouvait changer comme ça. Allez, c'est parti, on continue. Ah bah, deux Envy. Voilà, il va y avoir beaucoup de monde très rapidement. Je vais me mettre là, puis on espère que le laser va faire le boulot. Donc là maintenant je vais me balader avec un D6 qui me servira à rien. Je casse le chest malheureusement. À moins que on retombe sur un mendiant, hein. C'est pas exclu. J'en serais très content. Allez on continue. Si je rate la porte ça va pas le faire évidemment. Franchement c'est chaud à viser, un truc de fou. Hein. J'ai de la vie encore. Je peux pas les prendre je crois. Non non. C'est des Soul Heart. J'ai pas d'autres cœurs normaux. Voilà l'arcade. Alors c'est quoi ça? Judgment. Il a fortune. Faire péter ça. Avec de l'argent. C'est cool.
Allez, on continue. L'arcade, j'espère qu'il y aura un objet, évidemment. Oula. Toute la famille est réunie. En tout cas, un soul heart. Ça, c'est... Merci la mitre. Alors, un coffre, oui. Ah, dommage, j'ai pas d'objet. Tout à l'heure, je me balade avec The Strength, mais je l'utilise pas. Autant la garder, hein, tant que j'en ai pas une autre qui me convienne mieux, je vais la garder. Et puis, j'utiliserai à The Chest ou peut-être avant, je sais pas en fait. Je me rends compte maintenant que je la garde depuis tout à l'heure et que j'utilise pas. Allez, boum. Ah, je le touche moins souvent, j'ai l'impression, avec à cause du fait... Mince, que je vais dessus. À cause du fait que ce soit en serpent, comme ça. J'ai l'impression de moins le toucher, mais bon. Ça n'engage que moi. Oh. Y'a rien. La nouvelle salle secrète est trouvée. Alors il y a quoi? Un cœur éternel, donc là j'ai vraiment de la chance, hein. Je suis tombé sur pas mal de cœurs éternels, au moins 3 sur dans les nouvelles salles secrètes, donc merci l'objet qui me les a montrés. Parce que souvent je m'amuse à trouver la salle secrète mais pas la nouvelle salle secrète. Donc bah, c'est bien cool là, donc il faut que j'oublie d'aller rechercher évidemment. Hop. Des bombes. Ah, voilà qui fait plaisir. Par contre, il va me prendre un cœur à chaque fois, le goût. Ah, il me donne quoi là? 12 diamonds. Bon, ça double mes pièces, autant le faire, j'ai envie de dire. Allez, donne-moi un objet vite aussi. Ça fait quoi ça? The Sun. Oh, excellent. Moi, bon, bah, je vais garder The Sun, évidemment. Ah, c'est quoi ça maintenant? Judgment, oulala. Oh non, c'est un autre comme ça. Dommage. Bon allez, autant le faire à fond. On va continuer lui, hein. Plus de chance qu'il nous donne un objet. Alors c'est pas mal, ça nous fait voler. Je vais aller faire le plein de cœur, hein, histoire de savoir à peu près où j'en suis. Donc c'est cool. C'est cool. Hop, il y en a là. De toute façon, je peux aller prendre ceux à droite, hein. Je n'irai plus vu que c'est clairement pas là où faut aller pour battre le boss. Bon, au pire, j'ai le one-up qui s'active, j'ai The Sun, donc excellent. Vraiment là, excellent. Je peux lui donner tout ce qu'il faut en cœur et me remettre full vie et me revivre grâce au one-up. Dans le pire des cas. Donc là, ça ferait tir spectro et vol, mais bon, je vais changer. Normalement, c'est un bon objet. Le Hume Heart, on va l'utiliser une fois. Et on va donner à ce petit-là ce qu'il faut. Alors, une pilule. Alors, ça fait Francilienne, on s'en fout. Donc ça augmente la fréquence de tir, c'est pas mal, mais ça sert à rien avec ce que j'ai en fait. Pièce de 25, ça sert à rien non plus. Ah bah là, la Polaroid s'active. Parce que j'aimerais bien qu'il me donne un objet, hein, ce bougre là. Bon, c'est pas grave, on continue. Oh lol 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 lol. Ah, c'est pas possible ça, c'est pas possible. On va faire le reste en bas. Au pire, j'ai The Sun, j'ai le One Up, hein, je me dis, mais. C'est con qu'il n'y ait pas des mangeants normaux, sérieux. Allez, des cœurs. Voilà, tout sauf des cœurs, évidemment. Ah! Ça embête de craquer The Sun. Cela m'embête fortement. Mais tant pis, on le fait, c'est le jeu. Book of Anarchy, ça m'intéresse pas.
Alors là il me donne un objet, c'est The Nail, c'est pas mal. Ça m'augmente mes dégâts dans la salle et ça me donne un Soul Heart. Oula, regardez ça. Alors que si je vais dans la salle à côté, je ferai pas ça, je crois. Alors attendez. Bon là il y a deux objets à changer clairement. Bon, un petit changement. Alors The Peeper c'est pas mal hein, ça fait un familier. Holy Water c'est pas ce que je préfère. J'ai envie d'aller battre le boss hein, quand même pour être sûr. Bon là, voici, on va jouer un peu. Donne-moi des cœurs s'il te plaît, donne-moi des cœurs. Alors ça c'est bon barquise, on s'en fout, c'est pareil. Autant utiliser, hein, 15 et 18 c'est pas une énorme différence. Parce que j'ai bien aimé le gros laser que ça a fait, ça prenait vraiment toute la pièce. Là ça, là c'est pas le cas, mais avant quand j'ai eu le truc, le clou là, the nail, ça a vraiment pris toute la pièce. Donc si j'ai encore une amélioration de dégâts, ça peut être sympa. Bon là niveau familier on est servi, hein, Harlequin Baby, Rainbow Baby, The Peeper, il manquerait plus que Little Guiche. Il y en a d'autres aussi hein, mais en utile c'est ceux-là. Après sinon il y a Ghost Baby, il y a le Robot Baby, il y a Sister Maggie, il y a Brother Bobby, il y en a plein d'autres mais c'est pas les plus utiles on va dire. Ah ça, ça fait toujours plaisir. Donc là j'ai de l'argent, je perds du temps, hein, je suis désolé mais l'argent ne me sert plus à rien à part à ça, donc autant l'utiliser. Donne-moi des cœurs par contre s'il te plaît. Ah oh, je m'en fous des pièces, je veux des cœurs. Ah bah la Flat Penny, je m'en fous de la Flat Penny. Bon, c'est pas grave, on va redonner deux cœurs à lui et on va aller faire le boss. Donne-moi un objet aussi toi. Purée. Bon, au moins ça a le mérite de recharger pour changer ça. Ça je m'en fous. On va faire le boss. Et on va revenir tranquillement. Bon bah. Le boss sera vite fait. Les zombies ça passe à travers, la technologie laser passe à travers, donc on a besoin de leur tirer sur le crâne on va dire. Allez, je donne encore deux cœurs on va dire. Oh, il me donne rien ce salaud. Donne moi un truc intéressant là. Non, bon il y a encore deux cœurs hein. Là je fais le fou mais bon j'ai le one up, c'est pour ça que je me permets. Comme pilule, oh, tears up, on s'en fout. Bon, autant le prendre, hein, c'est pas mauvais, mais ça sert à rien. Tears up, ah mince, j'ai utilisé. Ah, j'ai utilisé ma carte, chier. Alors, le lard, oh, le lard, ça sert à rien. Bon, j'ai la vitesse au max, hein, autant le prendre. De toute façon, pas jouer au con. Ça augmente de 2 mes cœurs rouges, mais là ils sont pas complets, mais au moins comme ça si j'utilise le one up, bah ils le seront. Bon, là je suis au fond. Allez, on va utiliser. Ah, il me donne quoi là? The Lovers, bon, bah, autant le prendre. Hein. Je crois que je vais mourir là, je vais faire exprès de me laisser mourir là. Ça je connais, hein, c'est Friend Still the End, c'est pas top. Voilà, la Polaroid s'active et on profite. De toute façon, autant mourir, j'ai envie de dire. Pourquoi elle s'activait? Ah, il y a Scapular qui m'a sauvé une fois, c'est vrai, donc autant c'est cool. Non, 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 vite. Voilà, là je suis mort. C'est normal, hein, c'est voulu. Pas s'inquiéter. Non, je vais garder la Polaroid, hein, tant qu'à faire. Là, je vais donner quelques cœurs, un petit peu. J'en donne, on va dire. Je vais me laisser 6 cœurs rouges. Comme pilule celle-là. Ah, ça sert à rien en plus.
Bon, allez, donne-moi un truc là. Bon, tant pis. Il veut pas. Bon, j'aurais tout tenté, en tout cas. Parce que bon, après là, j'ai plus de one-up, j'ai plus The Sun, j'ai plus de full health. Donc, on va pas tenter le diable. Je vais chercher mon cœur éternel et puis. On va aller tranquillement à The Cathédrale où il y aura peut-être éventuellement un objet aussi à changer. Donc là, vous voyez, j'ai plein de cœurs rouges. Hein. Bon, ils sont pas tous remplis, mais vous voyez, le cœur éternel que je viens d'avoir ne s'affiche même pas à l'écran. Donc, c'est pour vous dire. Ah, c'est dommage hein, que je sois pas tombé sur un mendiant normal où j'aurais donné de l'argent. Là, j'ai dû sacrifier des cœurs et celui-là ne m'a rien donné. Le flat penny, on va la laisser là. Et c'est parti pour ce cathédrale. Alors, est-ce qu'il y a grid? Non, ça va. Bon, on a une machine, on va la laisser, on va pas la péter tout de suite. Les anges, classique. Ah oui, Little Chan me donne des petits trucs, c'est cool. Alors ces feux-là, faut faire gaffe, ils nous attaquent. Hein. Pour ça que je les pète tous. J'ai pas envie de me prendre la tête. Une clé, bon de toute façon j'ai mes 4 clés pour ah j'aimerais bien avoir The Rock. J'ai mes 4 clés pour, tant pis, pour The Chest, hein, donc tout va bien. Alors lui, trop chiant. Mais avec les dégâts tout va mieux. Et voilà. Ah, y'a quoi dedans? Une troll bombe. C'est con, hein, il aurait pu avoir un objet comme The Dead Cat ou je sais pas quoi, que évidemment je n'aurais pas pris mais que j'aurais pu reroll. Ce n'est pas grave. Ah, encore un. Eh, franchement, ce sera la partie mangeant et méchante. Ah non, je crois que je prenne de dégâts, sinon je pourrais pas donner pour avoir un objet. Alors, famine. La famine que je peux pas toucher. Mais famine, sérieux quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ah. Ça peut me donner des Soul Hearts, ça. Ça peut me donner éventuellement ça, donc c'est cool, ça me donne... Ça me met la map et ça me donne une carte, donc là en l'occurrence c'est The Fool, bon, pas très intéressant, mais ça me fait un objet à changer. Rosary, ça me donne 3... 3 Soul Hearts. Et ça augmente mes chances de tomber sur la Bible. Mais je suis déjà tombé, je l'ai même changé dans la salle de l'ange et je suis retombé sur la Bible donc ça m'intéresse pas trop. Hop, Daddy Longhead, on va prendre, hein. C'est un familier de plus on va dire, vous voyez son ombre et de temps en temps il y aura un pied qui va apparaître. Bon, par contre faut que je fasse gaffe au niveau de ma vie là. Même si bon la mitre me donne des Soul Hearts assez souvent. Là c'est con parce que si je le fais lui, autant le faire maintenant j'ai envie de dire. On va quand même jouer à la machine à sous au cas où j'ai des cœurs. J'ai quand même pas mal de pièces. C'est con que j'ai pas eu beaucoup de luck up hein, parce que j'aurais eu des objets à chaque coup que je jouais quasiment. En plus là on m'affiche la map donc je sais qu'il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'arène, il n'y a rien. Allez, donne-moi un truc bien. Donne-moi des cœurs. Une pilule full vie. Ou The Sun, ou je sais pas, quelque chose. Tant pis, on passe acharner, on va pas mettre 10 ans là-dessus. Voyez, Daddy Longhead, ce coup-ci est avec moi. Voilà. Un cœur au passage, on prend. Daddy Longhead s'occupe d'eux.
Regardez, là, si je fais un, normalement, il va tuer Little Gish. Normalement, il y a un pied qui va apparaître. Non? Voilà. Et voilà. C'est beau. C'est beau. Ah, je m'en fous. Là, c'est con que j'ai pas une trinket, genre... Là, ce qui aurait été utile, c'est le Burn Penny. Pas le Burn Penny, j'ai n'importe quoi. Le Bloody Penny, parce que quand j'aurais ramassé des pièces, ça m'aurait redonné de la vie que j'aurais pu ensuite donner au mangeur méchant. Bon, tant pis, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, mais je me fais toucher par une mouche! Je comprends pourquoi. C'est quoi la boule qui est derrière moi là? Je sais pas, c'est pas grave. Je crois qu'en fait, ça vient de s'activer maintenant l'item que j'ai pris là, de même ce contact, je sais pas trop quoi, qui fait normalement des tirs derrière nous. Et vient de s'activer maintenant. Allez comprendre pourquoi. Bon, là c'est pas grave, je vais direct dans la salle où on perd de la vie parce que si par miracle il y a un objet, je pourrais le changer. Par contre, faut pas que je fasse le con, faut que j'arrive avec un D6 complet quand on est dans The Chest. Oh, j'ai envie de la péter, on sait jamais. S'il y a des cœurs. Et non, et c'est quoi comme pilule? Elf Up. Ah, dommage. Bah, c'est cool, hein. Mais j'aurais préféré. Full Elf. Encore un Soul Heart. Les mouches. Allez, est-ce qu'il y aura The Rock là? Non! Il n'y a pas The Rock! Bon, allez, batterie Zac. Alors, est-ce que je fais très mal? Au passage, les familiers comme Daddy Long Head et The Peeper vont le toucher de temps en temps. Ah, mais je me prends des coups bêtement là. Tiens, mange. Allez. Passe en troisième forme assez rapidement, s'il te plaît. Merci. Alors là, c'est les faisceaux et les anges. Il est mort. Ah, il m'a popé dessus, le bougre. Là. Voilà, on va tenter le diable. C'est parti pour The Chest. Alors, il y a un mini-boss à droite, je vois. Alors, full down, non. Ça non. Bon, ça ouais. Ça me fera une petite protection de Guardian Angel. Et ça on change. Alors ça fait quoi comme piqûre? Speed plus. Je sais plus, je vais prendre. Ah oui, speed plus shot speed. Ça agrandit mon laser, non? Ou c'est moi? Bon, c'est pas grave, on continue. Il y a le D20, j'ai vu. Alors ça c'est slot et super slot. Ah ouais, là mon laser fait vraiment. Regardez, il fait toute la pièce quoi. Donc je crois que ça c'est grâce à la piqûre que je viens de prendre, ça me sûr. Ah bah il me donne un item, donc c'est cool, je pourrais le changer. Donc là il y a grid dans la salle secrète, on va le faire. C'est pas le plus compliqué. Voilà. Et ça recharge le dé. En plus ça rime, donc on continue. Donc là, super chiante ces chenilles, mais vraiment super chiante, sauf que bah avec la technologie ça passe à travers, sinon faut leur toucher le bout de la queue. En plus elle chie des trucs radioactifs là, toute moche, toute nulle. Alors dans l'ordre on va changer les objets où il y en a deux, hein. Puis au pire c'est pas si pourri que ça. Alors une piqûre encore, mais ça fait, c'est pas top je crois. On va faire tout ce chest de toute façon. Oula, deux monstres aux deux, ça qui est bon.
aller d'un et de deux. On continue. 3 Loki. Donc au passage... Ah mince, je prends un coup là. J'allais dire au passage, j'ai quand même pas mal de familiers. Hein. Daddy Longhead, The Peeper, Rainbow Baby, Harlequin Baby, Abel. Donc bon, ça fait son taf. Hein. Ça me drop un cœur, c'est cool. On change ça. Poison Touch, c'est pas mal. Moi je pourrais me coller quand je me fais toucher. Infectation, c'est pas mal aussi. Quand je prends un coup, ça fait sortir des mouches. Donc on prend. Hein. Alors, la même salle qu'avant. Hein. Slot et super slot. Hein. Je change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Encore un objet. Et c'est la même chose qu'à là-bas. Excellent. Deux fois le même objet. Oulala, là là, pourquoi je me prends un coup? Pourquoi je me prends un coup? Bon, allez, on va changer l'objet, vu que de toute façon il y a le même là-bas. Halo Flies, non. Allez, je voudrais Common Call, ce serait marrant. Ou Technologie V2. Un des deux, please. Alors, deux Super Lust. Donc ça... Ah, j'allais dire ça va aller, mais non. Alors, une pilule, celle-là, c'est Friend Still the End, donc autant utiliser. Allez. Des caca radioactives, c'est cool. Ah. Famille et War. Regardez comment ça prend tout l'écran. Allez, encore un Soul Heart, on dit pas non. Ah non, j'ai pris un... Oh, c'est con ça. J'aime pas quand je joue mal comme ça. Bon, le citron, non, hein, inutile de dire que non. Même si, bon, foncièrement, il faudra un objet sur espace mieux que le dé quand on va l'affronter. Oula, pourquoi je suis passé? Quand on va l'affronter... le Blue Baby... Il faudra forcément un meilleur objet que le dé. Ah mais... Grid, je te déteste, sérieux. On va changer ça. On va changer ça. Alors, le rasoir qui fait des dégâts quand on perd non, qui inflige des dégâts quand on perd de la vie. Enfin, on prend un cœur et puis on perd des cœurs et ça fait des dégâts aux ennemis tout seul. Je suis pas fan. Oula, le Texefo il va m'avoir, c'est sûr. On va s'occuper d'abord de Pestilence. Oh, tout juste. Bon, quand tu veux, tu meurs. Alors, Little Chat qui me donne un truc. Là, je sais plus ce qu'il fait cet objet, donc on va pas le prendre. Hein. Alors, Super Lust x2. Ah! Ah, je relâche la tour du clavier une fois et c'est mort. Ball of Steels, donc c'est cool. Alors, ça va pas changer, hein. Ça, oui, par contre. Alors, ça, non. Pinky Cheers qui fait qu'on vole et notre corps se détache. De notre tête, mais bon, pas fan, pas fan.
Ouais, un petit cœur là-dedans, même pas, non, bande de radins. Oula! Ah là là! Non, non! Ah, je le savais. Je le savais que je me ferais toucher quand j'ai pris la carte là. Alors, bon, j'ai eu The Hermit, je l'ai remis parce que The Fool, au moins, ça me téléporte au spawner, alors que The Hermit, ça me téléporte chez le shop, mais il n'y en a pas. Enfin, au shop plutôt, chez le marchand. Il n'y en a pas, donc bon. Oh, l'IPK, que je vais laisser ça là. Ouais. On va continuer tranquillement. Au sud. Et bah dis donc, on aurait eu mode 3 Salex, hein. Super Lust là. Et toujours la même pilule, hein. Friends till the end. Toujours, toujours, toujours. Hein. Bon. Les cervelles qui vont prendre cher. Un soul heart. Et à mon avis, ça va être la dernière salle. Bah, Daddy Long Head. Et voilà. Donc là, de toute façon, je vais changer. Alors, c'est quoi les items qui restent? C'est Pinky Cheers et ça. Donc, vu que le dé ne sert à rien là. Ah ouais, ça. Bon, je vais prendre ça. Bah, je vais prendre ça aussi, hein. Je peux le laisser là, ça va être. Donc voilà. Dommage, on n'aura pas eu technologie V2 et Common Cold, mais bon. On a eu le tir en serpentin là. Ça faisait quand même un combo marrant. Et c'est parti pour le Blue Baby. Donc là voilà. Hein. Homing bomb, donc ça fait un petit combo sympa. Vu qu'elles sont empoisonnées maintenant, mes bombes. Bon, je prends des dégâts là. J'ai même envie de faire ça. Mais je suis trop bête, je pensais qu'il me restait un objet. C'est fail. Je m'étais dit je vais prendre un objet, mais bon non. Il n'y a pas d'objet inutile sur le terrain, donc là c'est con, j'ai fait descendre sa vie pour rien. Allez, c'est parti, on se remet. Allez, allez, allez garçon, oh là. Par contre, j'arrive pas bien à doser mes bombes, où faut les mettre pour que ça, que le homing bomb s'active en fait. Bim. Et voilà. Et c'est fini. Donc voilà, une partie assez intéressante. Grâce notamment aux items qu'on a eu. Hein, un bon combo avec Polyphemus et Technologie qui après a évolué, on va dire, grâce au. Je sais même plus le nom de l'objet, là, le petit serpent là qui fait les objets bizarres. Les tirs bizarres, pardon. Et puis. Puis c'est tout. Hein. Bon, ça aurait pu être encore plus drôle avec Common Cold ou Technologie V2. Ça aurait été vraiment le combo de la mort. Mais bon, on a déjà eu quand même pas mal de bons items qui allaient bien ensemble. Donc, et ben voilà, on va se laisser sur ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.